Coucou Louis! Écoute, c'est Pablo. C'est pour te souhaiter un bon anniversaire. Alors pour l'instant, c'est pas le jour de ton anniversaire. Mais comme je serai pas là pour ce jour si particulier, j'ai décidé de faire une vidéo par jour de mon confinement pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, ça te fera un petit souvenir de ton. Ouf! Eh ben ça commence bien cette vidéo. Je suis tombé dans les pommes. Coucou Loulou, deuxième jour de confinement et ça se passe pas très bien parce que là j'ai un petit peu de mal à marcher parce que j'ai mal aux pieds. Je crois que j'ai une ampoule aux pieds. Bon allez, j'enfile un slip, on passe à table. Jour 3 de confinement, bah tout va bien. Aïe! Je viens de me prendre un pain. Coucou Louis. Est-ce que ce serait le premier jour de confinement? Ouh, je ne pense pas. Est-ce que ce serait le deuxième? Ouh, non, 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 non. Ouh, je ne pense pas non plus. Est-ce que ce serait le troisième par hasard? Ouh, non, c'est pas le troisième. Ce serait le quatrième! Le quatrième, putain! Et ça me rend vénère. Ça me rend à fleur de peau. C'est difficile, hein. J'arrive plus à joindre les deux bouts. Allez, cinquième jour de confinement. Ben quoi? Et là, tu t'en vas? Là, je suis en train de jouer, je suis sûr. Tu vas où? Ça va, Aurel? T'en as pas marre? C'est long. C'est le sixième jour, hein, seulement en plus. C'est très long. Coucou Louis! Septième jour de confinement et ce qui me manque le plus, c'est de plus voir des matchs de football. Et en parlant de football, 1-0. Merci Yahou. De Bah de vivre avec moi le confinement. Tu sais pourquoi? non. Parce que t'es une crème. C'était le huitième jour. Voilà. Et tout se passe bien parce que c'est une crème. Neuvième jour de confinement. J'ose pas trop parler parce que je me sens observé. Je suis observé par des pions. Et être observé par des pions, ça me rend fou. C'est un peu cavalier de dire ça. Putain de salle polyvalente! Coucou Louis! Eh ben, dixième jour de confinement et puis je fais mes petits abdos parce qu'il faut pas perdre la forme. Je vois que le sport ça porte déjà ses fruits. J'ai des tablettes et cet après-midi je vais travailler mes pecs. Allez, tchou! Salut Louis! Eh ben écoute, onzième jour de confinement. Ben, on est toujours en télétravail, mais il y a d'autres secteurs d'activité qui continuent à travailler, qui sont bien courageux. Il y a les aides-soignants, bien sûr. Il y a les commerces, les commerçants, tout ce qui est alimentaire, mais il y a aussi les facteurs. Et comme la vie ne s'arrête pas, je vais aller voir si on a reçu des lettres. J'arrive à ma superbe boîte aux lettres, je sais pas si tu vois. Hop!
J'ouvre, surprise. Ah bah, j'ai reçu 3 lettres. Comme quoi la vie s'arrête pas. J'ai reçu le R, le A et le S. Allez, salut. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Hello Loulou. Eh ben écoute, 12e jour de confinement. Et ben j'arrive pas à bosser, j'arrive plus à bosser. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un poêle dans la main. C'était un poêle exagéré de dire ça. Allez, chouchou. Voilà, 13e jour de confinement. Ben voilà, le confinement suit son cours. On est un peu dans un train-train quotidien. Donc là, le soir, on regarde pas mal de petits films. Là, on va se faire OSS 117. Eh ouais, des classiques. Et puis on mange des bons petits plats, voilà, comme de la salade. Et ben voilà, ben juste un petit coucou Loulou, voilà, pour dire tout va bien. Moi par contre, le LOSC me manque un peu, parce que je suis fan du LOSC, et bon, ça changera pas. Et puis voilà, et puis pour accompagner la salade, je peux avoir du sel à vous? Je passe le sel aux fans. Deux fois d'affilée, l'OL a-t-il gagné la Ligue 1? Bah, cette fois. Ok. Vrai ou faux? Ouais, dis-moi. En 1967, le marathon de Boston célébra Catherine Switzer, la première coureuse dûment inscrite. Faux. Si c'est cette expression, on va pas tortiller du cul. Pour chier droit. De quel moment de la journée la Serena numéro 13 en sol majeur de Mozart est-elle une petite musique? De nuit. Et ouais. Putain de rude l'épreuve. Voilà, 2 semaines déjà de confinement. Et voilà, c'est un petit peu long. Ma famille me manque un peu. J'aimerais bien voir ma nièce, notamment. Puis on me demande souvent pourquoi je ne suis pas retourné à Lille. Mais bon, j'ai décidé de rester à Saint-Étienne pour la rotonde, pour être disponible. Et je reste à Saint-Étienne parce que... je travaille dans le coin. Allez, tchou-tchou-lou! Yo, voilà, 15e jour de confinement. Normalement, c'était le dernier, c'est ce qu'avait dit le président Macron. Mais voilà, moi, j'y ai jamais cru, je ne suis pas tombé... ouf! Dans le panneau. C'est un panneau, en fait. C'est un... je suis pas tombé dans le panneau. 16e jour de confinement. Tout va bien ici. On a la banane. J'hésite à sortir dehors. Alors, soit je sors pas. Ouais, Louis, c'est... Pablo, toujours. Voilà, c'est un peu tendu en ce moment, 17e jour de confinement, et... Je suis pas bien du tout, j'ai l'impression que ça va jamais se terminer, que... encore repousser, et je crois que je vais jamais sortir d'ici. En tout cas, j'ai peur de bazardir d'ici, vite! Ah là là, Louis, 18e jour de confinement, et rien de mieux pour s'évader que d'avoir des plantes chez soi. Des plantes que j'entretiens excellemment bien, parce que j'ai la main verte. Je me transforme en CTLM. Voilà. Allez, tchou-tchou! Jour de confinement et Aurel ici présente a un genou à faire. Je mets de l'huile sur le feu, mais ça marche pas. Ouais. C'est la vraie expression. Ça va toi? T'as compris l'expression? Non, c'était pas une vraie expression, donc on peut dire qu'Aurel est à côté de la plaque. 20e jour, Louis. Et ben voilà, ben on continue à faire à manger. Là, je suis en train d'égoutter des pâtes. Parce qu'elles avaient beaucoup de choses à dire. Hello Louis. Et ben voilà, déjà 3 semaines de confinement. 21e jour d'enfermement. Et voilà, cet enfermement, ça me fait beaucoup réfléchir à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et au futur. Voilà, je me rends compte que j'ai fait un peu de mal autour de moi, que j'ai dû blesser des personnes au cours de ma vie, même sans le faire exprès.
Et à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire que je suis désolé. J'ai envie de leur dire que je suis sorry. Incredibile! Cosa ha fatto Consigli? Questo è autogol del portiere. 3-1. 84esimo minuto. Victor, c'est de l'autre côté! Coucou Louis! Eh ben, 22e jour de confinement. Ici, on a malheureusement des petits problèmes de justice, donc du coup, on a besoin d'un avocat. Qu'est-ce que tu fais, Pablo? Je l'ignore. 23e jour de confinement. Coucou Louis! Eh ben écoute, 24e jour de confinement. Ah voilà, là je suis vraiment de bonne humeur parce que l'avantage de faire le confinement avec Aurel, c'est qu'elle fait des desserts mais excellents. Fait des desserts au chocolat, la fine panna cotta la fois dernière. Et là, ce soir au menu, c'est un chausson aux pommes. Louis, je crois qu'il y a des bites sur ton sac. Non, t'es pas très drôle. Non, bah je te trouve pas très drôle. Oh putain, le prends pas comme ça. Tu fais la tête. Pff, je crois que je me suis mis un sac à dos. 25e jour. C'est long. 26e jour de confinement. Et on a toujours l'appétit. Aujourd'hui, nos programmes, ce sera une grosse omelette. C'est très long. Très très long. Oh non, c'est pas vrai. 27e jour, Louis. Et bah, mon ordi fixe ne fonctionne plus. Je crois qu'il a planté. Yo, Louis. Je crois que tu reconnais cet endroit. 28e jour de confinement et j'étais devant le Smoking Dog. Voilà. Donc ça fait déjà 4 semaines qu'on est confiné. Et voilà, le gouvernement a rajouté encore un mois. Donc je vais pas faire de vanne aujourd'hui. Je suis un peu triste parce que je trouve que ça tarde trop. Et moi j'ai envie de refaire la fête, de ressortir, de revoir des amis, bah, notamment au Smoking Dog. Et donc voilà, moi je trouve que c'est beaucoup trop long cette situation. Et je trouve que le gouvernement et les scientifiques, ils abusent. Hop, tu le vois, il y a un bus. Ils abusent. Ouais, c'était pas la meilleure celle-là. Hein. Allez, tchou. Ah où? On mange quoi ce soir? Je sais pas. Quoi? Du poulet? Quoi? Du poulet? Attends, j'ai pas entendu. Du poulet. On mange du... Du poulet, c'est ça? Ah, j'avais pas entendu. Parce que je suis dur de la feuille. 29e jour de confinement, bientôt ton anniversaire, Louis. Alors, j'ai un secret à te dire. Le magasin se refait une beauté et il reste ouvert pendant les vacances. Mais et on voit aussi des couverts à 15 euros. 30e jour, Louis, bon, le moral est pas ouf aujourd'hui. Mais bon, je me dis que demain ce sera mieux parce que certains jours il y a des hauts et d'autres jours il y a des bas. Des bas. Il y a des hauts et puis il y a des bas. C'est long. Allez, dans 4 jours c'est ton anniv. Ciao. Yo Louis, 31e jour. Oh non! Attends, j'entends plus rien.
Oh non! Oh ça, ça me rend fou. Ça me rend fou de plus pouvoir entendre la musique parce que j'ai un pet au casque. Salut Louis! Et ben voilà, 17 avril, 32e jour de confinement. Et c'est toujours important de garder du lien avec la famille, avec les proches. D'ailleurs, moi là, je suis en train de donner des coups de fil. Pas ouf. Allez là, avance, putain. Putain, c'est pas possible, 33e jour. On a la veille de ton anniversaire, Louis, et y en a qui ont toujours pas compris. Tu te rends compte? Ça fait 33 jours qu'on répète qu'il faut pas sortir et tout, et je me retrouve dans une situation pareille. Je comprends pas. Moi, je veux sortir et je suis bloqué. Et je suis bloqué parce qu'il y a des gens qui respectent pas. C'est quand même dingue d'être bloqué dans les bouchons. Allez, à demain pour la dernière vidéo. Yo Louis, ça y est, on y est, 19 avril. Et ben voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que t'as kiffé la vidéo, que t'as bien profité des 33 jeux de mots. Et pour ces 33 premiers jours de confinement. Et puis bah voilà, et puis que t'as bien kiffé aussi des petites références. Je sais pas si t'as compris deux trois petites références que j'ai mis dans la vidéo. Et puis voilà, et puis bah j'espère que la vidéo fera un carton. Voilà, je te laisse encore avec deux petits bonus avant de se quitter, donc quitte pas la vidéo tout de suite. Voilà, et on va se quitter avec un 34e jeu de mots pour 34e jour de confinement. Voilà, je te laisse avec les deux petits bonus et pichez tout. Allez, tchou, joyeux anniversaire. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Non, je te filme. Pourquoi? Tu vas te retrouver toute seule dans le bureau. Pourquoi? J'ai demandé à Guillaume d'être à côté d'Arthur. D'être à côté d'Arthur? J'ai pas compris. Non, tu vas être à côté de moi dans le bureau. C'est vraiment une demande. De toi être à côté d'Arthur. Ouais, qu'Arthur vienne à côté de moi. Ouais. Arthur vienne à côté de toi, oui. C'est pas clair. Tu sais pourquoi? Non. Parce que Arthur Rambeau. Il va arriver dans notre bureau, j'ai demandé ça à Guillaume. J'ai demandé d'être juste à côté de moi. D'accord. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'Arthur Rambeau. Ah ouais. T'as compris? Ouais. Arthur Rambeau. Allez, Arthur et Rambeau. En fait, c'est un jeu de mots avec un artiste. Ouais. J'espère que t'as kiffé, Louis. Tchou tchou comme le train.